Oui, la famille, bonsoir, bonsoir. Partagez le live, s'il vous plaît. La page est restreinte. Partagez, partagez avant que je prenne la parole. C'est un court live, c'est un petit live. Partagez le live, s'il vous plaît, avant que je... Partagez le live avant que je prenne la parole, s'il vous plaît. Le live ne sera pas long. Partagez, partagez. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live avant que je prenne la parole. La brigade du boycott. La brigade des incohérents notoires que vous êtes. Vous voulez détruire tout ce que nous avons conçu dans cette lutte depuis 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Bientôt, nous allons enterrer 7 ans. 2026, ça va nous faire 7 ans de combat. Hein. 7 ans plein. Donc, ça va faire entièrement les 7 mandats de Paul Piya. Ça va faire les 7 mandats de Paul Piya en 2025. Vous croyez que c'est des... Vous croyez qu'on s'amuse? Vous croyez que nous sommes ancrés dans ce combat pour vos beaux yeux? Vous croyez que nous sommes ancrés dans ce combat pour le boycott des artistes? Du n'importe quoi. Jusque-là même, on vous laisse, vous faites vos boycotts sur ici les artistes. On ne refuse pas, on accepte, oui d'accord. Allez-y, continuez, si ça vous arrange. Mais sachez aussi que d'une autre part, vraiment ça perturbe notre lutte. Parce que cette lutte ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, c'est notre lutte à tous, je dis bien à tous. Respectez toutes ces personnes-là qui sont engagées, qui sont sacrifiées, qui sont interdites aujourd'hui de mettre les pieds au Cameroun. Vous croyez que nous sommes là, on n'est pas ancré dans ce combat pour vos beaux yeux. On n'est pas ancré dans ce combat pour boycotter les artistes. Jamais de la vie. La cible, c'est Paul Piya. Il restera toujours la cible. Parce que si ces artistes aujourd'hui sont démunis, si ces artistes aujourd'hui ne bénéficient pas des droits d'auteur qui devaient venir des caisses du gouvernement, vous voulez qu'ils fassent comment? Ils ne sont même pas d'abord subventionnés par le gouvernement. Ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas assistés. Ils ne sont pas aidés. Ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas soignés. Rien du tout par le gouvernement du RDPC. Vous croyez que c'est vous qui allez faire quoi? C'est vous qui allez faire quoi? Et même s'il faut faire quelque chose, ce n'est pas de cette manière. Vous faites, on regarde, on ne parle pas. Vous faites, on regarde, on ne parle pas. Mais n'exagérez pas, vous n'êtes pas dans cette lutte seule. Parmi bon nombre d'entre vous là, qui sont dans la brigade du boycott, ne peuvent même pas parler là où nous on parle. Sans les demander les sacrifices qu'ils ont fait dans ce combat, ils sont incapables de vous poser, donc de vous montrer les sacrifices qu'ils ont fait dans ce combat.
Mais je pense que les personnes qui sont devant la brigade de boycott, ce sont ces personnes avec qui nous avons été toujours sur le terrain. Nous sommes toujours sur le terrain. Mais comme ils ont la grosse tête, ils ont la soif de visibilité, la soif d'exister par tous les moyens, par un faux prétexte. Je dis bien par un faux prétexte, c'est-à-dire maintenir la flamme de la lutte dans la diaspora. Vous comprenez, je m'adresse à vous, la brigade du boycott. Elang mebi ezout. À vous tous. Je dis bien vous tous mélangés avec ceux de la Belgique là. Ok. De toutes les façons, hein, le boycott que vous avez prévu pour petit pays là, non, quelqu'un va seulement mourir le jour là. Vous avez vu ce que vos bêtises que vous êtes partis faire en Nanterre jusqu'à détruire complètement une soirée caritative dont le but était de collecter les fonds pour les enfants autistes au 237. Vous avez détruit cette soirée, la soirée disant que Lolo est là-bas. Lolo Fodier est là-bas. Lolo Fodier est dans le RDPC. C'est une femme libre. Et elle n'est pas la cible. Elle n'est pas notre cible. Ce n'est pas elle qui maintient Paul Pierre au pouvoir. Ce n'est pas elle qui maintient Paul Pierre au pouvoir et ses créatures. D'accord ? Elle est libre de faire ce qu'elle veut. On a une cible bien, bien spécifique, une cible bien définie. Et alors, si vous ne vous concentrez pas sur cette cible-là, pourquoi vous voulez distraire les Camerounais? La majorité des Camerounais, au moins à 80%, sont contre cette histoire de boycott que vous êtes en train de distraire, de chasser tout le monde dans la lutte à cause de votre incohérence notoire, à cause de votre soif d'exister, soif de la visibilité. Dans un faux prétexte, maintenir la flamme, il faut maintenir la flamme de la lutte dans la diaspora. Voilà ce que vous avez en tête. Partagez-moi le live, c'est là la famille. Partagez-moi ce live. Partagez. Partagez-moi le live. Je veux dire, là, je vais m'agresser un peu à la village du Quat, là. Je vais m'agresser à la village du Quat. Partagez le live, la famille. Vous ne partagez pas. Partagez le live, il faut que ça monte. Bipez-moi tout le monde, là. Partagez-moi ces lives-là. Ils n'ont qu'à agir. Donc, même au nom de... ils n'ont qu'à agir au nom de Kanguka. D'accord ? S'ils veulent, ils n'ont qu'à agir au nom de... Je ne sais pas quoi, n'importe quel nom. Ce qui est sûr et certain, c'est que tous ces petits micmacs que vous voyez de gauche à droite, là, c'est né de la brigade anti-Sardina. Donc, il faut respecter les bases. Il faut respecter toutes ces personnes-là qui sont sacrifiées en vrai, qui sont interdites du territoire camerounais. Parce que vous avez pris des gens qui sont dans les procédures administratives, des gens qui sont en train de chercher les papiers, toutes ces personnes-là qui sont remplies en Belgique, vous avez mis derrière votre dos. Et vous croyez que ça va nous faire peur? Vous croyez qu'on a peur de ça? Venez boycotter petit pays, vous allez lire l'heure le jour là. Parce que la mobilisation qu'on va commencer à travailler à partir de maintenant derrière petit pays, le tubo d'Afrique, qui dénonce, je dis bien qui dénonce, moi personnellement j'ai vu au moins plus de 9, je dis même plus de 9 vidéos de dénonciation des petits pays sur les problèmes sociaux, politiques, socioculturels, sur le front du Cameroun en général. J'ai vu cela. J'ai vu cela de mes propres yeux. Allez encore sur ces pages. Allez sur la page du petit pays. Vous allez voir, il parle de Pont du Cameroun. Il a même parlé de la station de Nozo. Il a parlé de Mangfe. Il a parlé de beaucoup de choses sur sa page. Ça n'existe pas. Quand vous dites à chacun son combat, là, quand il va falloir se réunir en 2025, vous allez toujours dire ça à chacun son combat. Donc, c'est en 2025, là. Il y a un clan qui va aller se réunir, je ne sais pas où, qui va aller se réunir à Lyon, un autre clan qui va aller se réunir à Douala, un autre clan qui va aller se réunir ici, un autre clan qui va aller se réunir ici. Donc c'est ça votre mot, chacun son combat. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. C'est pour vous, c'est ça l'unité. Vous croyez que vous êtes en train de blaguer? Vous êtes en train de blaguer, vous êtes des tintins ambulants. Vous êtes là pour nous distraire, vous êtes là pour déranger les gens. Laissez-moi vous dire ça. Vous comprenez? Vous êtes malade, vous croyez que le Cameroun est différent des autres pays qui sont libérés? Vous croyez que le Cameroun est différent du Mali, du Burkina, tous ces pays-là qui sont libérés, hein? Ils sont libérés comment? Parce qu'ils ont été tous ensemble, dans l'unité. Je dis bien tous ensemble, dans l'unité. C'est ça. Vous bavardez, vous fatiguez les gens avec vos bêtises, conneries, boycott de tel, boycott de ceci, boycott de tel artiste, boycott de machin truc. On va dire que moi, je suis en train d'aller dans le combat, c'est pour aller courir derrière les artistes. Vous êtes malade dans vos têtes. Ça ne va pas chez vous.
Et comme les gens qui sont... Donc, ils sont prêts à tout pour exister. Dans un faux prétexte, on va maintenir la flamme de la lutte dans la diaspora. On va maintenir la flamme du combat de la diaspora. Faux prétexte. Vos mamans, vous comprenez? Du n'importe quoi, vous êtes en train de faire. Partagez-moi le là à la famille. Il faut que je m'adresse à ces gens-là aujourd'hui. On va se voir, rendez-vous, Noisy-le-Cercle. Noisy-le-Cercle. Parce que j'ai déjà l'adresse là-bas au petit pays, va prester. La mobilisation qu'on va sortir de ce petit pays là. Je sens que ce jour-là, on va se massacrer entre nous les combattants. Fille comme garçon, celui qui vient mal, il va prendre sa part. Je ne mets pas les cas. Hein. Si il vient mal, je vais aussi prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que la mobilisation qu'on va travailler de ce petit pays là, vous serez humilié, ridiculisé ce jour. Allez même porter toute la cargaison. Prenez même le cargo. Tous ces 100 papiers qui sont là-bas en Belgique, vous les ramenez ici. Vous les ramenez ici à Paris. On va courir. En 2025, chacun son combat. Vous n'avez même pas honte. Nous sommes en 2023, depuis bientôt 2024, 2025. Ça va nous faire 7 ans de lutte. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, après de 2 ans des échéances, des prochaines échéances présidentielles. Et vous le savez tous, qu'en 2025, RDPC, une fois de plus, comme à son accoutumée, volera encore une fois depuis ces élections. Jamais de la vie, un pouvoir, une dictature ne donne son pouvoir. On arrache ça, aura. On l'arrache. Ça a toujours été le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Tous ces pays en Afrique qui sont libérés, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, tout ça, c'est le peuple. C'est tous ensemble, main dans la main. Hein? Main dans la main. Vous parlez de quoi même? Quand vous faites vos bêtises, là, moi je ris. Hein? Les clans. Jusqu'à ce moment-là, tu n'as pas fait un direct de division complètement. Je ne veux pas travailler tel, je ne veux pas travailler tel. Je vais vous laver, je vais vous rincer, je vais vous nettoyer propre. Moi, c'est moi qui vous dis, c'est pas de l'Est qui vous parle. Oui, ça ne peut plus continuer comme ça là. Vous prenez un pour les qui? Vous croyez que c'est vous qui détenez le monopole de ce combat? C'est vous croyez que nous sommes ancrés dans ce combat pour vous? Vous ne tenez même pas compte des opinions des Camerounais, de toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, toutes ces personnes-là qui nous suivent. Ils sont contre vos bêtises, d'accord? Vous avez laissé prester ici le plus grand artiste sardinat du Cameroun, Elvis Kemayou. Vous l'avez laissé prester au Bami parce que c'était le frère du village. C'est pourquoi vous l'avez laissé prester. Toi, personnellement, village de quoi? Tu m'as dit que tu ne peux pas aller bagarre avec Solo Boumaye. Pourquoi tu ne peux pas aller bagarre avec Solo Boumaye? Moi, je bagarre avec Solo Boumaye, d'accord? Quand je suis dans ma conviction, quand je suis dans ma vérité, je bagarre avec n'importe qui. Que tu veux, que tu sois même n'importe quoi, si tu sois même tué le jour-là. C'est comme ça. Je suis dans ma vérité. Je suis dans ma vérité, je suis dans ma logique. Je ne serai jamais dans un clan, je ne serai jamais dans vos bêtises. Oubliez ça, jamais. Jamais de la vie, je suis un activiste libre et fier. Je dis bien libre et fier, je tire sur tout ce qui bouge. Quand je me rends compte un seul instant que vous voulez détruire tout ce que nous avons construit depuis 6 ans, 7 ans aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser faire. De quel droit vous vous levez pour programmer le boycott des petits pays? Il a fait quoi? Franchement, vous n'avez pas honte? Là, de quoi tu n'as pas honte? Tu veux, donc depuis là, tu t'embrouilles, on ne te comprend même pas, tu es complètement démystifié, déconnecté de la réalité. C'est quoi? C'est la recherche de la visibilité qui te ronge? C'est quoi? C'est, tu veux exister ou quoi? Non, tu as connu, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es un combattant aguerri, connu, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc arrête le ridicule, arrête de mettre le ridicule sur toi. Parce que c'est nous-mêmes les combattants qui allons te choquer cette fois-ci. Ça ne serait plus les Sardinas, ça ne serait plus les Bamoun, ça ne serait plus les machins. Mais on va se toucher, on va se cogner bien entre nous les combattants et tout ça, ça sera en live. On ne vous laissera jamais boycotter Petit Pays. Parce que moi, je sais, j'ai vu au moins plus de 7-8 vidéos de dénonciation des Petits Pays. Mais vous avez laissé presser le frère du village qui est Elvis Kemayou dans le Bami Power. Mais on pourrait bien venir boycotter le Bami Power. On pouvait bien venir boycotter le Bami Power parce que vous avez laissé prester un sardina dans le Bami Power. Parce que vous avez laissé prester un sardina dans le Bami Power. Et ce sont ces mêmes sardina que vous boycottez dans d'autres cérémonies. Même avec les propres communautés, vous partez boycotter. Mais quand il s'agit du Bami Power, les Bami Leke, les Banganté, vous fermez l'œil sur le frère du village. Et vous le laissez prester, tranquillement, tranquille, et vous êtes à l'aise.
Hein? Aujourd'hui, vous sortez un scoop, vous dérangez les gens, on est en train de partir au travail, on réfléchit comment est-ce que 2025 va se passer. Mais on ouvre le téléphone, on voit les conneries venant toujours des villages du Quat. Tu vas exister, tu existes déjà. Tu existes déjà. Tu existes déjà. Tu es déjà connu. Ce n'est pas la peine de faire d'entrer dans cette bassesse-là. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas cette lutte. Ça n'honore pas notre lutte, notre engagement. Parce que la lutte ne vous appartient pas. Vous n'aurez jamais le monopole de cette lutte. Jamais. Vous allez toujours partir d'incohérence notoire en incohérence notoire, d'incohérence notoire en incohérence notoire dans vos bêtises de boycott non-sens qui divisent les Camerounais, qui divisent les Camerounais, qui font fuir toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, tous ces non-nimes qui nous soutiennent, qui sont avec nous matin, midi, soir et qui sont prêts pour 2025. Quand vous ramenez cette bassesse derrière les artistes, ça prouve que vous n'êtes pas encore mûrs, vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous vous élevez, vous ne savez même pas ce que vous faites. Mais à un moment donné, comprenez aussi les opinions des autres. Comprenez que nous, on ne veut pas ça. Comprenez qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'en 2025, on ne serait pas là pour courir derrière les artistes. Il faut qu'on court derrière le RDPC, sous toutes ses formes. Parce que ce qui s'est passé en 2017, là, avec le vol des élections du MRC, hein, c'est ce qu'ils vont refaire encore en 2025, propre. Et on va courir derrière qui? On va laisser ça pour courir derrière les artistes. On va laisser ça pour courir derrière les artistes. On doit courir derrière le RDPC, derrière tous les zombies, tous ces gens-là qui sont derrière Paul Biya. On doit courir derrière eux. Oui, rien que eux. On doit nuire au gouvernement de Paul Biya. On doit paralyser tout comme on paralysait en 2016-2017. Tous ces ambassades-là seront paralysées complètement. Et c'est comme ça, c'est dans cette optique, c'est dans cette logique-là qu'on doit communiquer. C'est comme ça. Ce n'est pas les saletés, les conneries qui n'ont aucun sens. Vous parlez de quoi là? Vous êtes normal? Vous croyez que c'est vous qui pouvez parler? Franchement, vous êtes normal dans vos têtes? Vous allez boycotter petit pays. Pourquoi? Donnez une seule raison du pourquoi vous allez boycotter petit pays. J'ai lu dans un de tes commentaires, via de quoi, tu as fait un post que tu vas aller boycotter petit pays parce que il avait Laurent Esso. Il chantait pour Laurent Esso. Mais de quand petit pays commençait la musique, étant jeune, nous étions encore très très jeunes. Petit pays, c'est un grand frère. Quand il commençait la musique, et Laurent Esso a toujours été son parrain. Laurent Esso a toujours été son parrain. Toi-même là, de quoi tu es un parrain? Tout le monde est un parrain. Moi-même, j'ai un parrain. Mais on ne sait pas si ton parrain est Sardinard ou bien RDPC. On ne sait pas ça. On s'en fiche pas mal. Mais vous ne pouvez pas obliger même les parrains aux gens. Vous ne pouvez pas obliger les parrains aux gens. Chacun est libre de choisir son parrain. Tu ne peux pas prendre une époque. Tu ne peux pas ramener les histoires d'une époque ancienne où on était encore très jeune. Quand un petit pays vient de commencer la musique, il chantait le nom de Laurent Esso partout. Mais c'est normal. Laurent Esso l'a aidé. Laurent Esso, son parrain. Tu ne peux pas nous ramener ça aujourd'hui. Donc c'est ça ton argument. Ça coûte de ça qu'on va le boycotter petit pays. Parce que tu dis qu'il chante pour Laurent Esso. C'est à cause de ça qu'on va le boycotter petit pays. La honte sur toi, village du Quat. La honte, shame. Shame sur toi, village du Quat. On va le boycotter petit pays parce qu'il chante pour Laurent Esso. Voilà ton argument. J'attends ton direct. Dis-nous pourquoi est-ce qu'on va le boycotter petit pays. Dis-nous pourquoi on va le boycotter petit pays. On va te sortir les dénonciations des petits pays, les vidéos, les posts, machin, truc qui dénonce. Depuis, tout le monde voit. Ce n'est pas vous, ceux qui avez le monopole de voir. Tous ces artistes-là appartiennent aux Camerounais. Les Camerounais voient ce qu'ils font de par le monde entier. Les Camerounais voient ce que tous les artistes font. Vous nous parlez de quoi là-bas? Donc c'est vous ceux qui voyez ce que les artistes font. C'est vous ceux qui savez ce que Malos dit, Malos dénonce. C'est vous ceux qui savez ce que Kouseko aussi dénonce. C'est vous ceux qui savez ce que tel artiste dénonce. C'est vous seuls qui avez cette facilité de voir. Nous, on ne voit pas. Nous sommes les aveugles. C'est ça. Nous sommes donc les aveugles, non? Dis-nous pourquoi on va aller boycotter petit pays. Donne-nous un seul argument. Vrai, vrai. Pourquoi on va aller boycotter petit pays? Ne tape pas seulement poteau. Parce que la mobilisation qu'on va travailler derrière petit pays, là, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas comprendre. La mobilisation qu'on va travailler derrière petit pays, tu ne vas pas comprendre. Venez tous, toutes les personnes qui sont fiers de notre tribu d'Afrique, toutes les personnes qui ont conscience que oui, c'est un artiste. L'artiste doit toujours être du côté du peuple, depuis 2000. Oui, toutes les personnes qui ont quand même observé une fois dans leur vie, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, petit pays, parler des problèmes du Cameroun, parler des problèmes politiques, parler des problèmes sociopolitiques, les problèmes socioculturels, les problèmes culturels du Cameroun. Venez. Venez tous s'annoiser le cercle, venez le soutenir.
Nous irons là-bas tous nous soutenir. On va attendre tous ces casseurs-là. Parce que ce sont les bandits. Ce sont des casseurs que vous voyez. Ce sont les agresseurs. Vous comprenez? C'est comme ça que vous devez les voir. Ne les voyez jamais comme les combattants. Ce sont les bandits, les casseurs, les agresseurs. Quand ils vont casser un boycott, ils volent les sacs, ils volent les téléphones, ils volent beaucoup de choses. Comme vous voyez là. Donc venez. Nous serons tous là-bas. On va voir comment ça va se passer. Tu n'as même pas honte. On attend ton direct. Donc, dis-nous pourquoi est-ce qu'on va aller boycotter petit pays. Oui. Dis-nous pourquoi est-ce que pourquoi boycotter petit pays. Donne-nous quelque chose. Dis-nous un peu. On veut t'écouter. Parce que je lui tiens. Parce que depuis que tu as fait le pot sur petit pays aujourd'hui, là, depuis que tu fais parler petit pays, mais on ne voit pas ce que tu donnes comme argument. On ne sait pas ce que tu peux utiliser. On ne voit pas ce qui est convaincant. Hein? Ce qui est convaincant dans ta prise de position pour le boycott des petits pays, convaincre les Camerounais. On ne voit pas. On ne voit pas. J'ai lu dans un de tes posts que c'est parce qu'il chantait pour Laurent Esso. C'est tout. Mais depuis que petit pays est jeune, Laurent Esso, tu étais son parrain. En ce moment, tu n'es même pas encore dans la politique. En ce moment, tu n'es même pas encore une combattante. Tu ne combattais pas encore pour Bia, tu ne combattais pas encore le RTPC. Bon nombre d'entre nous. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, je pouvais devenir un activiste. Je pouvais combattre le RDPC, combattre pour Biaju, jusqu'à ce qu'il parte. Parce que c'est le seul responsable des problèmes de tous les Camerounais. C'est le seul responsable des problèmes des Camerounais, ce monsieur que vous voyez là. C'est le seul responsable. Et c'est lui la cible. Le détourné par les gens, d'accord. On vous attend pour les boycotts importants. Les boycotts importants. Femme bien était ici là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé son boycott? Les ministres de Paul Biya vont et viennent, tout ça, tous ces sardiens-là qui dilapident, qui sacrifient l'argent du contribuable camerounais au profit de servir leurs propres intérêts personnels, de leurs clans, de leurs familles, de leurs enfants, de leurs entourages, et laisser le peuple camerounais donc mourir dans son agonie. N'importe quoi, avec vos saletés de boycott, les merdes là. On vous attend sur le terrain. Nous allons savoir la mobilisation des petits pays. Et tout se passera très bien. Rendez-vous à Noisy-le-Sec. Nous avons la date. Et je vais adresser un message ici à Fleur de Lille. Ne tentez pas d'appeler ces gens. Ne les appelle pas. Tu n'as pas besoin d'avoir perdu. Organise-toi seulement, c'est tout. Organise-toi. Organise ces soirées-là. Sache aussi que nous allons appeler la mobilisation des petits pays ce jour. Nous serons tous là-bas. Nombreux seront les Camerounais qui vont venir de part et d'autre, de partout, pour soutenir un fils et un frère, un compatriote, un patriote du Cameroun. Oui. Si moi, en tant que combattant, en tant qu'activiste que je suis, si j'ai dit aujourd'hui que petit pays n'a jamais dénoncé, vraiment, c'est que ça, c'est être malhonnête envers ma propre conscience, envers mes valeurs. Parce que je sais, j'ai vu de mes propres yeux comment il s'est incliné sur les problèmes du Cameroun. Il a parlé des problèmes sociopolitiques, des problèmes socioculturels, des problèmes politiques. Il a parlé de beaucoup de choses, jusqu'aux routes, jusqu'aux autoroutes. Il a parlé de tout ça. On s'en fiche qu'il soit sardinal, là n'est pas l'essentiel. Au moins, si on ne s'en fiche pas de machin, truc comme le fond, comme font les Elvis Kemayou. Tu as vu petit Pierre aller chanter le 6 novembre pour le grand-père sardinal? Si c'est le cas, tu nous envoies dans une vidéo. Envoie-nous une vidéo où petit pays est parti chanter pour le grand-père Sardina et tout dit. Envoie-nous dans cette vidéo, on va voir. Mais Elvis Kemayou a chanté pour le grand-père Sardina, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Il a vocation à cela. Mais ça n'a pas empêché les frères du village qui se cachent derrière la brigade du boycott, qui est en réalité un organisme sélectif et tribal, je vous le rappelle. Un organisme sélectif et tribal, parce qu'ils font dans le boycott sélectif et le boycott tribal. La preuve vivante, ça s'est passé devant vous aussi, avec ce qu'ils ont fait avec Elvis Kemayou. Elvis Kemayou était boycottable. On les a prévenus. Ils sont partis sortir une vidéo de 5 secondes d'un passage à Elvis Kemayou à une chaîne télé. Il dit bien 5 secondes parler des problèmes. Donc, allez sur la vidéo. 5 secondes, c'est fini. Pour eux, c'est suffisant de laisser Elvis Kemayou, le frère du village, pressé dans le Bami Power. Vous comprenez? Pour eux, c'était suffisant. Mais voyez ce qu'ils ont fait avec les Dupont. Voyez ce qu'ils ont fait avec les Dupont.
Même quand les dieux pensent à commencer à dénoncer, 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 ils ont dit que c'est insuffisant. Ils ont maintenu son boycott. Jusqu'à les dieux pensent à entrer dans la lutte. Aujourd'hui, elle est combattue par toute la communauté et quand, par tous ses frères. Mais elle est déjà entrée dans la lutte, c'est l'essentiel. Vous voyez ce qu'ils ont fait à d'autres artistes. Vous-même voyez. Donc, j'espère que vous avez compris. Le tubeau d'Afrique va arriver bientôt. Il va presser ici sa noisette le sec. Je vais prendre le feuilleur, je vais partir sur ma page. On vous attend tous là-bas soutenir notre. N'ayez pas peur, il n'y a rien. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Je suis un activiste, je connais tous ces gens, n'ayez pas peur. Quand on va dire, quand on vous dit qu'on va gérer, on va gérer propre. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je veux entrer dans ce mouvement-là jusqu'à. S'il faut les humilier, s'il faut que ça arrive aux mains entre nous, les combattants, ça va arriver. S'il faut qu'il y ait le sang, quelqu'un meure, quelqu'un va mourir, qu'il soit fille comme garçon. Parce qu'on ne va pas vous laisser détruire tout ce que nous avons construit depuis 6 ans, 7 ans aujourd'hui, d'accord? On ne va pas vous laisser détruire ça. La lutte ne vous appartient pas. Et vous n'allez jamais détenir le monopole de cette lutte. Jamais. Si vous avez créé vos clans, pour fragiliser encore beaucoup plus la lutte, hein, ça vous regarde. La lutte a besoin de tout le monde. Tout le monde dans une seule cible. Paul Piya et ses créatures. Point la ligne. Et ça s'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Je ferai encore un live d'ici peu.